Bonjour et félicitations, chère madame. Quoi ? Regardez ce que j'ai apporté. Astarté, elle exaucera tout ce que vous désirez. Je n'en doute pas. Quoi ? Vous doutez de moi ? Astarté vous écoute. Elle guérit, elle transforme vos rêves en réalité. Oh, grande et suprême Astarté, tu es la reine, la déesse des cieux. Oh, fais que cette femme vive le vrai bonheur. Arrête-toi, mon ami. Aujourd'hui est ton jour de chance. Comme veux-tu. Astarté va résoudre tous tes problèmes. Je n'ai pas de problème. Tu as de la chance, mais as-tu tout ce qu'il te faut? J'ai une maison, une famille, de quoi manger et un bon travail. Que pourrais-je désirer de plus? Es-tu riche? Non, mais... Voudrais-tu devenir riche? Comment? En utilisant l'huile d'Astarté. Si tous les soirs, pendant un mois, tu te masses le crâne avec cette huile, je te garantis que tu deviendras immensément riche. D'accord. Combien est-ce que ça coûte? Fais une offre à Astarté et elle sera à toi. Qu'Astarté te protège. Puis-je essayer tout de suite?
Non, tu dois en mettre tous les soirs pendant un mois avant d'aller te coucher. Sois patient. Oui, tu as raison, je suivrai ton conseil. C'est certain. Astarté, tu vas faire ma fortune, j'en suis sûr. Tu passes tout ton temps ici, près du lac, et résultat, tu ne pêches jamais le moindre poisson. Oh, s'il te plaît, Noémie, tais-toi un peu. On aura peut-être plus de chance ce soir. Tu me l'as déjà dit, Zecharia. C'était le mois dernier. Si cette fois tu n'attrapes pas de poisson, je m'en vais. Tu verras, je retournerai chez mon père avec les enfants, et chez lui au moins il y a toujours à manger. Que la chance soit avec vous! Accorde le bonheur à tous ceux qui s'approcheront de toi. Oh, Astarté, déesse et reine suprême des cieux et des étoiles, accorde et comble de bonheur cette femme. Êtes-vous? Je suis Karamatang, le prêtre d'Astarté. Oh, vous avez dit Astarté? Qui est-ce? C'est une déesse très puissante. Elle sauve toutes les âmes. Si vous avez un rêve, elle le réalisera. Mais je suis juive. Ça ne fait aucune différence. Astarté aide tout le monde. Il y a bien une chose que vous aimeriez avoir. Bien oui, que dois-je faire en échange? Je me dois de vous le dire, jeune femme, Astarté est généreuse avec ceux qu'ils sont, c'est ainsi. Vous comprenez? Faites donc une offre à la puissante Astarté. Qui ne risque rien, n'a rien. Oh, c'est de l'encens. Oh, Astarté. Alors, qu'avez-vous décidé pour cette offre? Vite, mon chien, va chercher les autres. C'est un imposteur. Tu as osé venir jusqu'ici? Oh. Noémie, retourne au village. Ne vois-tu pas que c'est un imposteur? À présent, à nous deux.
Oh, il y a erreur. C'est un malentendu, Rabbi. Je voulais juste... Inutile de mentir. Je vais t'apprendre à ne pas jouer avec notre foi, idolâtre. Attrape-le! Astarté, on a réussi, on les a semés. Oh! À l'aide! Oh! À l'aide! Au secours! Voilà tout ce qui reste de la toute puissante Astarté. Oh, quelle pitoyable et honteuse façon de finir! Il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. Et avoir confiance en Dieu. Espérons qu'il nous envoie bientôt un signe. Est-ce que ce lac de malheur a encore caché ses poissons cette nuit? Reviens! Ils nous attendent sur la berge. Et nos bateaux sont encore vides. Y aurait-il une malédiction sur nous? Maître! Jean. Vous êtes enfin de retour! Thank you.
Seigneur. Zecharia. Noémie. Ton bébé voulait te voir. Il n'y avait pas le moindre poisson. C'est une catastrophe. Viens, mon petit. Ce n'est pas important. Ils reviendront. J'en suis persuadée. Est-ce que tu m'aimes encore? Ne pleure pas, mon enfant. Ça va. Les poissons reviendront. Nous allons mourir de faim. Laisse-moi t'accompagner. Simon, avance en eau profonde et jette tes filets. Mais, Rabbi, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Simon, fais ce que je te dis. Ne me dis pas que tu as perdu la foi en notre Seigneur. Maître, les villageois sont tous affamés et leur foi, aussi grande soit-elle, ne remplira pas leurs estomacs vides. Le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Ne sois pas si inquiet de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, ou avec quoi tu vas te vêtir. Le plus important, c'est de rechercher le royaume de Dieu, sa droiture. Alors, tout le reste te sera donné par surcroît. Maître. Relève les filets. J'ai besoin de votre aide. Tu as vu? Il y en a tant. C'est incroyable. Ça alors, jamais de toute ma vie je n'ai vu autant de poissons. Vous avez vu? Les bateaux sont pleins de poissons! Attends! Il y en a encore! Le bateau est loin d'être vide! Sarah, approche! Tiens! Encore! Tiens, David, tu es fort comme un homme! Les femmes vont avoir beaucoup de travail! Noémie, jamais, jamais je n'oublierai ce jour.
Moi non plus, Zecaria. C'était une pêche miraculeuse. Grand-père, tu vas prendre soin des bateaux. Quoi? Et quand allez-vous revenir? Ça, je l'ignore, grand-père. Mais Simon, pourquoi vous partez? Nous allons accompagner notre maître. Votre maître? Hé! Le maître s'en va! Regarde, ce sont nos amis. Maître, nous avons tous décidé de te suivre où que tu ailles. Suivez-moi. Désormais, vous serez des pêcheurs d'hommes. Oh. Jésus n'était pas seul. Les apôtres, qu'il avait personnellement choisis et appelés un par un à se tenir près de lui, étaient ses compagnons, ses amis les plus fidèles. Les apôtres étaient 12, autant que les tribus d'Israël. Le mot apôtre vient du grec « un envoyé ». Jésus les envoya pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus donna à Simon, le pêcheur de Galilée, le nom de Pierre, ou Képhas en grec, ce qui signifie « la pierre ». Simon a assisté à la passion et à la résurrection du Christ et joua un rôle important dans toute la première communauté chrétienne. Il mourut sur la croix, pendu la tête en bas à l'époque de Néron. André, le frère de Pierre, mourut en Tercite ou à Patras selon les sources. Lui aussi fut crucifié. Jacques, le majeur, était le fils de Zébédée et le frère de Jean. Il fut l'un des premiers martyrs et fut décapité sur les ordres d'Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand, en 42 après Jésus-Christ. Jean, le frère de Jacques, était le disciple le plus cher à Jésus. On présume qu'il a écrit le quatrième évangile, deux lettres du Nouveau Testament et le livre de l'Apocalypse. Il mourut très âgé à Éphèse. Philippe, qui était d'origine grecque, mourut en martyr en Phrygie, à l'est de la Turquie. Barthélemy était le surnom de Nathanaël, disciple mentionné dans l'évangile selon saint Jean. Il mourut en martyr en Inde. Écorché vivant et décapité. Matthieu, l'auteur du premier évangile, était un publicain, un collecteur d'impôts. Il travaillait à Capharnaüm, mais il était aussi connu sous le nom de Lévi. Thomas, lui, était connu sous le nom de Didyme, le jumeau. Il était de nature sceptique. Il mourut en martyr en Inde. Jacques, le mineur, était le fils d'Alphée et était peut-être le parent de Jésus. Il siégea à la tête de l'église de Jérusalem et fut lapidé en 62 après Jésus-Christ. Simon le Zélote, en grec ce mot signifie « fervent ». Jude, le Thadéen, ou Matthieu, ce qui signifie « brave » en hébreu, mourut en martyr en Perse. Un des autres disciples de Jésus était Judas l'Iscariote. Ce surnom signifie peut-être « de Kériote », une petite ville de Judée. Il trahit Jésus pour 30 pièces d'argent et de désespoir, il se pendit. Matthias fut choisi par les 11 autres disciples après la mort de Judas. Les apôtres voulaient que le nombre des disciples choisis par Jésus reste le même. Ces 12 Israélites étaient des gens simples et parfois rudes. Après l'appel de Jésus, ils laissèrent tous leurs biens et suivirent leur maître, uniquement motivés par l'amour qu'ils lui portaient. Ils conquirent les villes et les villages au nom de Jésus.